Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier jeu de l'année sur Nintendo Switch officiel nouveau qui est pas un portage qu'on attend depuis des années. C'est Animal Crossing New Horizons. On a chacun le nôtre les gens, voilà. On est prêts, on va aller créer notre île. Aujourd'hui on lance pour la première fois, on a voulu se réserver la surprise pour découvrir avec vous Formule Évasion avec Tom. Les gens, vous faire péter la barre de pouces bleus. Enfin, le jeu est sorti aujourd'hui, minuit, pour ceux qui l'ont précommandé, même pour ceux qui auraient pu l'avoir en avance, voilà. Enfin, les gens, c'est énorme. On est tellement contents de jouer à ce jeu. Qu'on attendait merci. Super, super, méga longtemps, qui a été retardé, on était tristes, et là, il est sorti, ça y est, nous sommes le 20 mars 2020. Oh là, les gens, j'y crois pas, j'y crois presque pas. Mais Mélie nous dit, bien le bonjour, c'est un plaisir de t'accueillir ici, un très grand plaisir. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion du dessert de Tom Nook. Mais comme chaque chose en son temps, le sujet va faire la présentation. Je suis Mélie de Tom de Nook Incorporation. Et je suis Mélo. Donc je fais Mélo et tu fais Mélie. Ouais. Donc je parle jamais en fait. Voilà, c'est ça. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à installer. Alors, on va parler plus en détail dans cette vidéo de comment on va faire le let's play. Ouais. On a pris nos décisions, on a chacun notre jeu, on va essayer de jouer à deux. Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va essayer de jouer aux deux le plus vite possible. On va les créer, Kim, etc. Je suis déjà créé. Voilà, tu es déjà créé, on va te créer dans le jeu. Considère-nous comme tes compagnons de voyage, on va faire un bon bout de chemin ensemble. Donc si vous voulez plus d'infos, restez dans la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, donner votre avis aussi. À s'abonner à la chaîne. À s'abonner à la chaîne, voilà. Le let's play commence tout juste. Oui, voilà, c'est ça. Vidéos, pour l'instant, tous les jours. Après, Vous verrez, on va en parler plus en détail. Là, on est hype de lancer. Tout d'abord, jetons un œil à ton inscription, il te faudra ton nom et ta date de naissance, c'est important. Bon, moi, j'appelle Guillaume, puisque ça va être ma partie, enfin, ça va être mon personnage en tout cas. Et moi, j'arriverai avec mon personnage, voilà, qui s'appellera Kim, sur l'île. D'ailleurs, t'as une idée du nom de l'île, on n'a même pas pensé au nom de l'île, on n'a même pas réfléchi. Ah oui, on n'a pas réfléchi à l'île. Je l'appellerai Guillaume, bah oui, puisque c'est mon nom. Oui. Et tu es né le... Je suis né le... Ah, comme ça, t'auras bientôt ton anniversaire. Ah oui, bah, oui. Enfin, bientôt, peut-être pas. Je suis né le 21 mars. Je suis né le 29 juin. Et oui, best day ever. Guillaume. Voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite, il nous faudra une photo de toi, Guillaume. Oh, ne t'en fais pas. Prends tout ton temps dont tu as besoin pour te préparer. Donc voilà. Donc là, on va créer notre personnage, je pense. Une villageoise, villageoise. Tu pourras le modifier plus tard, ils ont dit. T'en as pas beaucoup de coiffure. Mais en fait, au début, on a pas beaucoup bizarre. De coiffure. En fait, on a. Du coup, Guillaume, il va pas faire son chignon. Bah non, parce que. Ah non, je cours. Oh, je vais être trop laid. Et en fait, il y a pas mal de coiffures donc qui ont été dévoilées après sur du gameplay un peu partout. Ouais, en fait, c'est au fur et à mesure. Toi, t'as ta coiffure, tu vois. C'est ça que t'as aimé, mais c'est plus. Ou alors comme ça. Ouais, peut-être plus comme ça. Mais c'est un peu trop bouclé. Et du coup, au fur et à mesure du jeu, en fait, on va débloquer des coiffures. On sait pas trop comment encore, mais. Comme mais ça ou comme verra. Ça. Mais normalement, il y a bien des plein de coiffures. Hein. Je vais mettre comme ça au pire. C'était chouette. J'ai le seum, les gens. Je peux pas faire mon chignon. J'espère que je pourrai le faire plus tard. Hein. Faudra qu'on aille débloquer ça, peut-être avec les Nook Miles ou tout comme ça. Mes cheveux. Brun. Ouais, brun. Brun. Ouais, mais c'est brun. Brun. C'est soit ça, quoi. Ouais, bah, même plus violet brun, là. Non, ouais. Les yeux. Ah, c'est trop mignon. Ah, oh, il est joli celui-là. C'est doux. C'est kawaii. Ouais, c'est kawaii. Et on dirait des Pac-Man. Pac-Man. Alors, il y a plein de. Il y a plein de. Ah, c'est bien. Ça. Ah, mais ça, c'est classique. Pour filles. Donc, pour filles, pour gars. Parce qu'il y a des petits cils en plus. Ça, c'est mignon. Mais pourquoi tu regardes à gauche? Il y a un problème à gauche? Ah non, mais regarde ma customisation. Mais oui, je sais. Ça, j'aime pas trop. Non, ça, j'aime pas. Ça, c'est trop abusé. Ça, c'est moche. Au moins, on commence pas Animal Crossing. Avec n'importe comment. J'aime bien celui-là, est pas mal, mais un peu fourbe. Ah non, trop carré. Un peu fourbe. Un peu chat, ça fait un peu chat. Celui-là il est un peu triste. Ouais. Celui-là il est trop. Je suis un guignol. Voilà. Celui-là est pas mal, non, mais ça fait pas Animal Crossing en fait. Ouais, ça fait pas Animal Crossing. Moi j'aime bien, les basiques moi. Ou alors, non, à droite, ouais, ceux-là. Ceux-là ils sont pas mal, ouais, ceux-là ils sont pas mal. Allez. Le nez. Ouais, oh, ils sont gris tes yeux là. Ah oui, ils sont pas gris normalement, ils sont ils plus marron. Marron. Majoritairement un peu vert. Alors là c'est le nez. Oh, c'est trop mignon, il y a des nez. Moi je vais prendre celui-là. En carré. Bon, ouais. Ah, nez carré, ok. Bah, un petit nez carré. Et puis après, on ira quand on aura fini tout le début. Ah, ça, pas mal. Ça, j'aime bien ça. Avec donc, la dent. Ça se trouve, on peut débloquer d'autres trucs. Vas-y, on pourra faire Séoul avec la dent. Il y a pas de barbe. Non, je serai sans barbe. Bah, tu Est-ce que je mets des petites joues ou des petites joues. Voilà, des petites joues. Non, j'aime pas les petites joues. T'aimes pas les joues. Ouais. Oui,
Tu pourras changer. Ils te le disent, ils l'ont dit deux fois. Ils l'ont dit avant que je crée, et donc je pense que il y aura sûrement un déblocage. Peux-tu changer ta chemise ananas, s'il te plaît? Parfait, eh bien, je crois que tout est prêt. Oui, tout, je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi, où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où tu veux en venir, c'est quoi? Ah oui. Alors, soit on prend une hémisphère nord ou hémisphère sud, et nous on va prendre nord, puisque de toute manière, on est hémisphère nord. L'été est bien l'été et pas l'hiver, et inversement. Alors, où habites-tu en ce moment? En Europe. Bah voilà, j'ai pas le choix. Je suis en Europe. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur l'île. Oui, il va dire, est-ce que c'est ce que tu veux? Voilà. Est-ce que ça te va? Ça me va. Donc je peux quand même forcer le jeu et dire, non, moi je veux l'été indien, je veux, voilà, je préfère être en inversé. Donc là, au lieu d'être en hiver, tu peux être en, c'est le dernier jour d'hiver, quasiment. Oui, c'est ça. On arrive au printemps. Eh bien, tu peux être en été, si t'as envie. D'ailleurs, il y a une mise à jour. Alors, faut savoir que nous, on a tourné un petit peu avant. Voilà, on a eu la chance de trouver en magasin. Pas de spoil, donc pas de jour avant minuit la sortie, pas de vidéo avant, parce que voilà, on respecte Mais du coup, on n'a pas eu le patch qui permet d'avoir la, donc le patch. Donc on l'aura demain. Donc on l'aura demain, voilà. C'est ça, les gens. Donc nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. T'as du mal, hémisphère, c'est dur, Hémisphère. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont, pour ainsi dire, vierges. Ok. Alors ne te soucie ni de la place, ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix, ça non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Ah, moi, je ferais comme ça. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Ouais, bah comme dans New Leaf. Oh, c'est trop mignon. Tu choisissais aussi. Après, on pourra toujours changer. Oui, de toute façon. On prend celle-ci. Ouais, allez, vas-y. Allez, c'est parti, les gens. C'est notre île. Quelle merveilleuse décision. Et comment on va l'appeler? Il nous tarde de te la montrer, on a hâte. Une dernière question, juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une déserte. Bah, Animal Crossing sur Switch. Qu'est-ce que tu choisirais? Ah, c'est ce que tu vas avoir, je pense. Bah, de la nourriture, hein. De quoi m'occuper? Oui, comme ça tu meurs de faim et puis ça servira à rien. Ouais, mais du coup on tente, non? La nourriture, on peut pas mourir de faim, de toute façon, il n'y a pas de nourriture. De quoi m'occuper? Non, vas-y, vas-y, de quoi m'occuper? La lampe, ça sert à rien, il n'y a pas d'électricité, ouais, du couchage à la limite. Bah, ça dépend si c'est mieux. On va dire de quoi m'occuper. On va voir si on répond ça. Intéressant, très intéressant. Oh! Désolé, c'était juste une question sans avoir pensé. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Incorporation. Oui. Est-ce que ça change quelque chose, cette question? Ouais, je sais pas. Attention, s'il vous plaît. Voici un message d'intérêt public. Le vol affrété... Ah non, désolé. Non, désolé, on a 30 jours de confinement, on ne peut pas partir. Pour les formules évasion, il déserte de Nook est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. E451. Ça tombe à point nommé, allons-y. 451, c'est pas caramel, le colorant caramel? MDR, le subconscient. Il est l'heure d'embarquer, on va monter dans l'avion. Voilà. N'empêche, ça tombe très bien ce jeu, c'est parfait le moment pour avoir ça. On part en vacances par procuration. Voilà. Bonjour tout le monde, merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nook Incorporation pour notre formule évasion île déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo. Introduction à la vie d'une île déserte. Sans tabac, c'est plus chic. C'est un peu ça. Désolé, on a trop pris l'avion avec Air France. Et on a eu la chance de le prendre cette année, hein, oui, il y a longtemps, maintenant. Ah, c'est mignon. Après, du coup, c'est une vraie vidéo. Parce que du coup, c'est pas avec ton C'est pas le gameplay. Ah, c'est propre. Bah là, du coup, c'est comme ça. Ah, regarde, il y a une coiffure que j'ai pas. Ah oui. Du coup, ça, c'est quand il pleut. Ah, je me demande, du coup, j'espère que c'est ça, hein, les gens, qu'on peut débloquer. De toute façon, on pourra changer de style. Oui, de toute façon, on pourra changer. Donc, même si c'est pas bien. C'est trop bien de pouvoir mettre tout partout, c'est trop bien. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont Animal Crossing Pocket Camp et qui n'y jouent plus, il y a une mise à jour avec Tom Nook et tout. Hein. Ah bon? Oui, j'ai fait ce matin. Ah, donc ça, c'est l'atelier. Noël avec le sapin quand de Noël. Tu construis. Oh, ça se trouve, les tournois de pêche. Ah, les fêtes avec les voisins. Les fêtes. Ah, oh, le musée. J'ai trop hâte. C'est trop Ils sont trop bien faits, les animaux. Hein. Ouais. Et voilà. J'espère qu'on aura un petit lapin chez nous. Une production Nook Incorporation. C'est énorme.
C'est trop bien. Ah, ah, c'est trop bien. On est trop contents là déjà. Bah ouais, c'est trop cool. Bah ouais, on attendait ça depuis bah ouais presque donc, 2 ans, je dirais. Tiens, pour en parler vite fait, ça sera un épisode par jour pendant un petit certain temps parce que c'est le nouveau jeu et puis voir déjà si ça vous plaît, le rythme, etc. Et on va essayer de jouer à deux au maximum. Oui. Mais on aura chacun notre île. Ça compte comme ça. Alors, on cumule tout. C'est-à-dire ouais, voilà, que c'est ça. Vous inquiétez pas, chacun aura son île. On créera chacun. De temps en temps, on ira sur l'île de Kim. De temps en temps, on ira sur mon île. Mais là, on jouera toujours à deux ici. Voilà. Déjà. Non, on pourra jouer à deux sur ton île aussi. Si oui, si tu t'inclines. Mais on essaiera de faire tout ce que vous avez. Est-ce qu'on a dit ouais, est-ce que vous voulez qu'on fasse qu'une partie séparée, machin, et on joue chacun notre tour? Non. C'est pour ça qu'on a acheté deux jeux. Voilà. Comme ça, moi, j'aurai sur ma console. Lui, on pourra venir. Bah voilà, bref. Bah, on préfère voilà jouer tranquille de chacun notre côté. C'est-à-dire que d'avoir sa propre création. Et Charlie? Nous voilà. Nous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience et d'explorer votre nouvelle île. Pourquoi j'ai un kangourou? C'est ça mes habitants? Oui, mais tu pourras les virer de toute façon. Mais c'est le canard! C'est. Comment il s'appelle? Ah, c'est Choco. C'est Choco? Il est trop bien, Choco. Je peux te dire la liste? Mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à une rapide séminaire d'initiation sur la place. Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas. Vous n'avez qu'à suivre avec l'aide. Ah oui, donc avec le joystick. C'est Choco! Donc on a Choco sur l'île, il est trop bien Choco, regarde. Et Charlie? C'est Choco! Suivons nos guides, dépêchons-nous! Mais Charlie? Guillaume il s'enfuit de ce que je dis depuis tout à l'heure. Charlie. Mais celui qui t'accueille dans le train? Le chat? Il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc voilà l'île les gens. Ah c'est trop bien. Donc là c'est notre île, donc c'est celle qu'on a choisie sur le plan. On va aller voir Tom Nook, je regarde juste vite fait. Donc là, c'est ce qu'on peut ramasser, les pommes... Donc c'est quand même très très propre. Hein. Ah, c'est méga incroyable. Propre. Surtout qu'on passe de Wii à Switch et c'est de ça. 3DS à Switch. Donc je veux dire, là... Ah, j'ai envie de regardez le vent sur les arbres, C'est trop bien. Regardez, c'est satisfaisant quand même. Nous, il y a du vent, on est sur une île paradisiaque. Nous, on veut du soleil. Allez, salutations. Donc on a ça comme habitant. On a Choco et le kangourou. Choco, c'est bien, le kangourou, j'aime. Ouais, très bien. Est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Vas-y, c'est moi Nook. Madsy. Ah, c'est le kangourou. Choco. Et enfin, Guillaume. On est avec Choco. Vous êtes trop... Moi, j'adore Choco, il est trop bien. Ouais, Choco, j'aime bien aussi. Et regarde cette petite texture peluche. Ah, il est bien, hein. C'est bien. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe la main, monsieur Nook. Nos trois aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Je crois que c'était Nook. Oui, c'est moi, Nook. Oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr. Bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Incorporation. Oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais non, n'oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Hein? Ainsi, le personnel de Nook Incorporation sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps, oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand, j'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat... mais je m'emballe. Et si nous convaincions par une simple tente? Récupérez votre tente auprès de Millie ou Mello et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. C'est trop stylé. Du coup, on est avec Choco. J'aime bien Choco, mais oui. Ouais, le concours est moins bien. Ah, ça a été 6 heures, un lapin. Bon, de toute façon, on en aura d'autres. Hein. Oui, de toute façon, il y a des nouveaux habitants. On dira c'est où le rejoindre le jeu. Voilà, c'est ça. Tiens, Guillaume. Cette tente est présente, la tienne. Ils sont trop bien. Ils sont trop beaux. Ils sont trop propres. Ils sont trop beaux. Une fois que tu as trouvé l'emplacement idéal, appuie sur X pour voir ton inventaire. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir la tente. Donc ça, voilà. Normal. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras voir le résultat final avant de prendre la décision. En fait, là, ils expliquent tout. Attends, tu pourras changer de personnage, t'inquiète pas. Oui. Attends, prends ton temps. C'est genre, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire ça. Parce que normalement, tu pouvais pas choisir et tout, donc c'est normal. Je ferais mieux de te donner une carte. Je pense que ouais, du coup, la personnalisation va arriver après, dans le sens où justement, en gros, tu débloques évolues. Des choses et tu évolues. Ouais, c'est ça. Une fois que tu auras la montée à temps, reviens nous voir et c'est là que la carte pourra t'être utile. Allez au travail, bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Bon, on va se mettre en un endroit stratégique, les gens. Mais de toute façon, on peut tout changer de place au bout d'un. Oh, c'est Choco, il cherche. Il veut parler. Yo. Moi, c'est Choco. Tu t'appelles Guillaume. Ravi de te rencontrer. Choupichou. Alors, t'as trouvé une bonne place où t'installer ta tente? Oui. Moi, je cherche un coin au plus près de la nature pour bien entraîner mon corps et mon esprit choupichou. Il est trop mignon, regarde. Attends, on va mettre deux devant. Choco, je l'adore. Tu sais que je l'avais sur Pocket Camp? Oui, mais tout le monde l'a sur Pocket Camp. Non, mais moi, je l'avais, je le gardais dans mon camp. Ah oui. Là, il est trop bien. Mais ça sert à rien de garder ses persos au bout d'un moment quand ils sont... Je m'en fous, je l'aimais bien, je le trouvais joli, donc laisse Choco tranquille, s'il te plaît. Alors, faut que tu ouvres ta carte. Ouais, mais je regarde. Je me balade, de toute façon on a vu un peu la carte, donc là ça va faire un tour et du coup on pourra pas traverser tant qu'on n'aura pas... Oh là, on a une belle cascade, c'est très joli. Ah, une belle cascade.
Donc là, voilà, donc on n'a pas trop, trop le choix, puisqu'on est limité par rapport à la rivière. Il va falloir donc là, il y a nous, tu vois, je me mettrais par là, tu vois. Ouais. Plus en bas, là, par là. Ah, il y a un coquillage. Ici, là. Bah, de toute façon, je pense que l'eau, on la changera, hein, parce que... Ouais, mais peut-être plus haut, plus... Peut-être, tiens, ici. Non, là. C'est trop près de la plage. Là, ici, moi, je dirais. Ah, c'est beau. Ouais, mais plus à gauche. Bah, de toute façon, on va voir le... Ah oui, d'accord. C'est trop près de l'eau. Donc, ah ouais, par contre, ils auraient pu me faire déplacer, il faut que... Voilà, c'est joli. Ouais, mais il faudra couper l'arbre. Ouais, on coupera l'arbre. imaginons. Ah, c'est mignon. C'est mignon ? Ouais. Oui, bah oui, ouais, il faudra juste couper l'arbre. Il faudra juste couper l'arbre, sinon on voit rien. On est bien. C'est parfait. Ouais, mais du coup, pour l'agrandir ta maison ? Là, on a l'ombre de l'arbre, par contre. Ah bah oui, de toute façon, il y a déjà l'agrandissement, en fait, maximum. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. C'est la montée d'attente, c'est le premier pas important pour débuter une nouvelle vie. Donc c'est pas terrible, parce qu'en fait, on a le... Bon, on va reboucher l'eau, je pense qu'on va vraiment la dévier, oui, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on se laisse un endroit pour bien customiser tout autour. C'est ça. Et puis, de toute façon, il faudra que tu crées aussi la tienne. Oui. Je pense qu'on la mettra côte-côte, non ? Non, je vais pas être ton voisin, moi. Enfin, ta voisine. T'as donc encore besoin de toi. Reviens plus tard. Ouais, parce qu'en fait, la carte, si c'était pour la carte, c'est... Moins. Bah non, mais on la voit en bas. Ah oui, on la voit en bas. Quand tu t'arrêtes, tu la vois, en fait. Donc, tu vois, en fait, on n'a pas trop le choix. On est forcément entouré d'eau. Ouais. On n'a pas un endroit stratégique vachement bien. De toute manière, je pense qu'on fera vraiment un... De toute façon, on pourra tout déplacer après les bâtiments. Bon, ça sera sûrement long. Le déplacement, on fera sûrement hors vidéo certains trucs. Vous verrez bien. Ah, Guillaume, j'ai conclu de ta mine réjouie que tu as trouvé un emplacement pour sa tente. Bien évidemment. Tu es le premier, les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Tu sais, je crois qu'il sera ravi de bénéficier de l'aide de quelqu'un et déjà explorer les lieux. Il faut aider les villageois. Ah oui, d'accord. Allez, Choco, viens. On t'aide, Choco. T'as déjà installé ta tente, moi je cherche un corps. Mon truc, c'est les exercices de cardio, alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite, tu en penses quoi? Pas mal. Je vais chercher. Ah non, c'est nul, il est trop près de chez toi. Quoi? Tu vas me trouver un super emplacement pour m'installer? T'es sérieux là? Waouh, Guillaume, on vient de faire connaissance et notre amitié grimpe déjà vers des sommets. Il est fou, regarde! Les petites fleurs, elles sont trop propres. Eh bien, c'est d'accord. Trouve-moi cet emplacement formidable. Ah, oh, je me demande ce que tu as, Art. Ouais, moi aussi. Sur ta partie. Ouais. Bah, c'est pas ma partie, c'est je vais te rejoindre. Mais non, mais sur ta partie, toi, tu as quoi comme personnage? Sur la tienne, sur ta console? Ah oui, sur ma console, mais ça, vous le saurez pas. Vous le saurez que quand je le lancerai. Est-ce que quand tu arrives, du coup, il y a deux autres villageois qui viennent avec toi encore? Qui suivent que j'en sache? Bon, on va découvrir, attention, dans cette vidéo. Enfin, je sais pas comment on va faire, mais. Parce qu'on a pris un peu de temps. Ah, bah là, on peut le mettre là, il est bien là. Oh, mais il est trop près de la plage là. Non. Il y a des herbes partout. Ah, mais il y a lui là. Ouais, le problème c'est qu'il y a plein de trucs partout. Bah là, c'est ah, bien. Ah oui, là c'est bien. Construire ici, ouais. Ah, elle est plus petite. Elle est vachement plus petite. Ah, ouais, c'est-à-dire que la maison. Ici c'est parfait. Voilà, on va pas s'embêter. De toute manière. Oh, ah, lui, il a pas la même. Ça a supprimé l'arbre ou non? C'est juste le visualisation. Non, c'est juste la visualisation, je crois. Ça a supprimé l'arbre. Il y avait un arbre là. Mince. Bah oui. Ah, on aurait pu supprimer notre arbre alors. Ah, il est vachement bien cet emplacement, on aurait dû se mettre là, nous. Ouais, on aurait dû se mettre là. Vas-y, Choco, je te dis peut-être. Bah, tant pis. Non, mais de toute façon. Il était où l'autre là? Il est moche. Il était à droite, ouais. J'aime pas du tout. Bah, tiens, tu peux. Bon, il est mignon, mais je sais pas, j'aime pas avec ses cheveux. Il est trop violet. Tu dois être Guillaume, ne dis pas. Ah oui, tu puis vois, j'ai besoin. Il a piqué ton style d'ananas. Ah ouais, je suis deg. Je crois qu'on va pas finir de se fendre la poire sur cette île de la balle. Oh là là, lui, je l'aime pas du tout. Tu dégages. T'as trouvé à quoi ça fait? Non, il est mignon, mais on pourra. Non, il est mignon. Planter des sardines, je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif. Oh non, je n'aime pas comment il parle en plus. Je vais pas aller gambader sur la question pendant 107 ans. Gamberger. Alors je l'ai balancé dans une caisse, voilà ça. Elle est tombée ici, et boum, je m'installe. Oui, ouais, c'est bien. Ici c'est bien parce qu'il est pas très loin de l'autre, de la balle, et bien puisqu'on est sur la même longueur d'onde, on va gamberger ensemble. Je m'installe ici. Du coup, il y aura une. Ah, il y a une tente différente. Pas mal, hein? Super. Génial! Par ça maintenant, ce sera plus un campomé sur une île, ce sera ma turne. Oh là là! Oh là là! Ouais, lui, il va dégager vite fait! J'aime pas du tout comment il parle et tout. Et puis il est moche, il est violet. Allez, vas-y! Attends, ouais, il est sur le logo de notre chaîne. Non, il est pas moche alors. Attends, t'es en train de me dire. Non, mais regarde, on s'en fout de ce qu'il parle, elle n'est pas sa spécialité. Vas-y, attends. De toute façon, tu t'en diras, Maxi. En plus, ton nom, il est nul à dire. Non, mais je sais pas, je l'aime pas. Choco est vraiment cool. Donc là, voilà, ils ont trouvé leur emplacement. Donc, bonjour. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Ouais. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer.
Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui, à savoir une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va falloir d'abord rassembler un peu de matériel. Ah. Et puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons, Mélie, Matsi, Mélo et Choco... En plus, il y a trop de M. Ouais, il y a trop de M. Des préparatifs sur la place. Tandis que Guillaume et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que de menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire, alors au travail. Guillaume, peux-tu venir me voir un instant? On est convoqué? Non! On va être dans son établi, non? Vas-y, bien, 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 parle, Guillaume, je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une petite reine, tu appuies sur X pour la ramasser. De mon côté, je vais examiner un peu ces 6000 pommes. Je ne serais qu'à moitié surpris si ça était de vrai. Pourquoi ce serait pas des vrais? Parce qu'il est un peu chelou. Donc voilà, je vais juste à ramasser. Pour l'instant, je peux peut-être pas secouer les arbres. Bah si, je pense. Ah oui. Bah si, si, quand même. Parce que ça se trouve, il va me dire si tu retournes, ouais, t'en as pas trouvé assez, bah secoue les arbres. Ouais, c'est possible. Ah, c'est trop beau. L'eau, elle est trop bien. Non, mais là, le petit coucher de soleil et tout. Bah parce que du coup, il est 17h. Ah oui, oui. Donc ça a changé de luminosité. Hop là. Non, il n'y en a pas. Je pense que tu en as assez, non? Non, 10. Ça n'a pas assez, là? Non. Ah, 8. C'est 8. Ah oui. J'ai pas de clochette! Je suis pauvre. Ouais, t'es pauvre. Ah, c'est bon. Les deux dernières. On va y retourner voir. Qu'est-ce qu'il nous veut, alors? Tiens, petit. Alors, content de te revoir, ta quête de branche d'arbre a-t-elle été couronnée de succès? Oui. Tu m'envoies ravi, oui, oui, mais je t'en prie, laisse-moi te soulager de ton fardeau. Va chercher des pommes. Ça va être ça. Tu penses? Ouais. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp, tu n'as pas traîné, non, non. J'ai eu de la chance de partager cette île désolée avec un travailleur aussi acharné. Bah oui, pour m'exploiter. Ah! À propos de survie, sur une mission... Oh là, oui, tu vois. Oui. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. En fait, tu fais rien. Ça a l'odeur de pomme, le goût de pomme, et ça ressemble à des pommes. Et du coup, j'en conclue qu'il s'agit à 100% de, sans nombre d'un doute, d'authentiques pommes. Voilà, donc il faut que j'aille en cueillir parce que Tom Nook est un feignant. Donc là, secouer, forcément, et donc j'en cueillerai. Donc là, ça, il a travaillé durement pendant toutes ces années, et là, il se trouve un peu de repos. Il nous a estorqué. Il nous a estorqué plein d'argent, et du coup, maintenant, il est riche. C'est ça. Et il nous estorque encore plein d'argent. Et c'est trop propre. Ouais, c'est méga propre. C'est super. Bah, pour l'instant, du coup, je joue, puisque c'est mon perso. Oui. Fin de vidéo, on créera mon personnage, ouais. J'arriverai sur l'île, voilà. Et puis, prochaine vidéo, ce sera à deux. On peut pas faire une vidéo trop courte, parce que comme c'est le début, et que en plus, il y a pas mal de dialogue, on va aller au moins créer Kim. Ouais. Comme ça, on sera tous les deux, on pourra voir si on peut se balader, effectivement. Bah, dès qu'on sera plus libre. Voilà, c'est ça. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces pommes, et commençons donc par les préparer. Allez, préparer. Ouais. Oh, Choco, il est trop bien. Il a un t-shirt Nintendo. 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 Dommage, il n'y a pas ça au début. Par contre, il n'y a pas le petit Nintendo. Ah, bah oui. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça monte. Il était pas. Alors, voyons, le compte y est. Oui, oui. Que la fête commence. Ah, non, il fait nuit. Ah, bah il fait nuit. Ah, ouais, non, je pense que c'est le tuto. Non, c'était le tuto. C'est ouais, tout ouais, le tuto. Du coup, on n'a pas le choix. Peu importe l'heure. Ah, c'est trop mignon. Bravo. Après, du coup, si les gens jouent à minuit aujourd'hui, est-ce que du coup ils auront nuit directe ou pas? Voilà, ah ouais. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Ouais. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant. Oui, oui, un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Moyen. On n'attendons pas les chiffres que j'escomptais. Ah oui, mais qu'à cela tienne, le défi n'en est plus qu'électrisant. Il m'a parlé, moi. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va. Mais peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? Ah, on choisit le nom maintenant. C'est le moment fatidique. Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons la décider la majorité. Alors creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous serons nos idées. Quoi? Bon, on a décidé, les gens. On a décidé à l'unanimité. Très original, mais c'est méga original. Hein. C'est incroyablement original. Non, mais en fait, on sait pas quoi mettre. Et en fait, c'est Guillaume qui a dit ouais, Hyrule, c'est moche. Je dis ah non, c'est pas mal. Voilà, Hyrule, c'est bien, c'est simple. Hyrule, c'est bien. Ça nous fera patienter. On ira à Hyrule sur Breath of the Wild 2. Voilà. Et donc, avant ça, nous allons à Hyrule pour créer la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Si tout le monde énonçait son idée en même temps. Prêt, c'est parti. Hyrule, Déchir, Graville, Costoville, Tanoukil et... Inukville, Inukil. N'importe quoi, oui, oui, plus les uns les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand il conviendra le tour de votre préféré.
Guillaume a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée, commençons par là. Donc Guillaume propose... Hyrule. Oh, regardez-moi ce triomphe, tout le monde applaudit des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Hyrule. C'est simple, c'est bien Hyrule. Ouais, c'est bien, c'est bien. Aucune référence à un jeu vidéo. Non, voilà. C'est soit ça, soit Séoul, hein. Mais Séoul, ouais. C'est le lapin. Bah, Séoul, c'est le lapin, ouais. Voilà, désormais, c'est il portera le nom d'Hyrule. Dis-moi, Guillaume, où as-tu trouvé cette idée? Puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Hyrule, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, oui, Guillaume, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire d'Hyrule. Guillaume, en tant que nouveau porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Un mot ou deux? Un mot ou deux? Un mot ou deux. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. C'est n'importe quoi. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il s'est fait tard et il est l'heure de porter un toast. Pour Hyrule. Pour Hyrule. Si c'était matcha, il peut plus jeter. Tout le monde a quelque chose à boire, déguster ce délicieux jus de pomme produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Mais fin de long discours, à Hyrule et au bonheur de ses résidents. À Hyrule. Yeah. Santé. Kampai. Kampai. Ah, c'est marrant. C'est trop cool. Ouais. Alors. Donc voilà. Donc là, c'était le début. Il y a le tempo. Choco. Donc là, tu peux parler à Tom Nook. Ah, Guillaume, tout va bien pour toi? Oui. Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Ouais, j'ai sommeil. Très bien. Mais d'abord, tu vas avoir besoin de ça. Un sac de couchage. C'est ton lit de camping personnel, il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente, des bricoles qui pourraient être utiles. Pour les ouvrir et utiliser les objets qu'ils contiennent, il te faudra appuyer sur A ensuite, quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, l'histoire dans le lit. Ils expliquent comment utiliser, je n'ai rien décidé aujourd'hui à part, fait de beaux rêves, Guillaume. Et du coup, on peut pas zoomer? Non, on peut pas zoomer. C'est joli, hein. Les particules sont propres. Ouais. Hein. Ah si, on peut rester comme ça. Je peux appuyer avec l'acier, avec le joystick, je peux faire ça si je bouge pas. On va t'obliger à dormir, tu penses? C'est possible. Sauvegarder. Sauvegarder, ouais. Avec Resetti, mais on sait pas. On découvre vraiment les gens, donc première fois qu'on rentre dans la tente, est-ce que c'est grand? C'est comme la petite maison, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ouais. La petite maison. On a des cartons. Ah, c'est une radio. C'était une radio. Donc tu peux la pousser, et puis l'autre, ça va être une lampe, je pense. Une lampe. Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli. La diffusion est propre, parce que si vous souvenez bien... Non, bah mets-le où tu veux, de toute façon, c'est ta tente. Ah, ouais. C'est trop bien. C'est un truc militaire. C'est ma tente, je fais ce que je veux, ok? Donc vas-y, va dormir. Voudrais-tu te reposer un petit moment? Je me repose. Comme tes paupières sont lourdes. Ça, je pense c'est pour finir le tuto. J'espère qu'on n'a rien loupé, hein. Faut nous dire, les gens, si on a loupé un truc. Bah, je pense c'est le tuto, donc je pense que c'est le début d'un jeu, hein. On découvre aussi, il n'y a pas de tryhard. Là, on est en mode vraiment fun, hein. C'est un petit let's play divertissant. Alors, c'est bien de nous donner des conseils, hein. Oui, bah oui, ça sera les bienvenus. À mettre ça dans les commentaires. Après, on verra peut-être pas tous les commentaires. Oh, c'est Kiki. C'est Kiki. Animal Crossing oui, sur GameCube, c'est ça le début. Sur GameCube, c'est ça. Alors comme ça, tu traces la route, tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. Ouais, c'est comme ça dans celui qu'on a refait. Justement. Oui, sur GameCube, ouais. Ouais, t'as kické au début. Oui, mais tu peux mettre A. C'est trop propre. T'as raison sur toute la ligne. Le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Ah bah ouais, bah pas en ce moment, hein. Après, comment avec ça, je sais pas si c'est très judicieux comme je dis. Oui. La solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route. On peut pas non plus. Il y a le premier pote qui coûte. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras à l'esprit serein vers tous les horizons. New Horizon. Oh, je bavarde. Faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après, tu ouvriras les yeux en tout grand. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur, mais sans amis, c'est juste du vent. Il n'y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. Ah, on se revoit bientôt en attendant le jour se lève, alors lève-toi aussi et va vivre tes rêves. C'était le tuto. Donc on a fini le tuto, ça dure quand même 30 minutes. Donc ce sera peut-être un... Pendant votre bac de français à l'oral, ce sera peut-être quelque chose à étudier. Ah voilà, c'est ça, les poèmes. Les poèmes de Kiki. De Kiki. Voilà. Donc là, normalement, il va faire jour. Guillaume, tu es là. Oh, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Un peu, hein, il est 17h, c'est pas. De quelque chose, oui, prépare-toi, je t'attends. Ok. Une nouvelle coiffure, s'il te plaît.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est joli. Ah, c'est le coucher de soleil. 17h. Oh, elle est pourrie ta boîte aux lettres. Te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de siège, je crois que tu as fait le tour du cadran, oui. J'ai tellement dormi. Certes, qui ne sera pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie. À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie, le Nookphone. Le Nookphone. Oui, technologie, une hache, non mais... Un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Et il n'y a pas internet, comment on fait? Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? C'est bon, il fonctionne. Bienvenue. C'est trop propre. Ouais. Ça, l'intérêt, on le connaît un peu puisqu'on l'a vu quand on a testé le jeu. Oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Bien, tu peux le ranger à présent. Déjà? Oh, mais je vais peut-être être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Évidemment. Parfait. Dans ce cas, tu devrais vite trouver tes marques. D'autant plus que le Nookphone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Et c'est pour une raison simple, la plupart des fonctionnalités ont été retirées. Dernier détail. C'est ta facture. Oui. Ah bah voilà. Le billet d'avion, le logement, la main d'œuvre, les taxes, bien entendu le Nookphone. Ce qui nous fait un total... Il donne un Nookphone, il te le fait payer après. 49 800 clochettes. Top là. Bien, merci beau. Hey, tu n'as pas cette clochette, non? Le papillon qui passe, quoi. Ouais, tranquille. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Je sais. Tu as travaillé pour moi. Ne t'en fais pas. J'étais préparée à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta formule d'évasion en maïs plutôt qu'en clochette. Quoi? What? C'est une blague. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé Programme Maïs Nook. C'est une blague? Tu rembourses pas avec tes clochettes? Donc ça veut dire que juste en faisant des succès, ouais, tu rembourses ta maison? C'est ça. Donc tu peux le rembourser en deux secondes, ouais, puisque c'est infini? Bah oui. Les bites? Je suis obligé de dire pour interrogation. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Maïs Nook, tu engranges des maïs rinques en menant ta vie à Hyrule. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux maïs Nook. Oh, que tu pourras le jeu de tryharder ensuite débourser pour payer tes frais dans ta maison et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudra débourser 49 800 clochettes. Mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 miles. Ouais! C'est une blague! Je vais t'inscrire au programme comme ça, tu me payeras en miles, d'accord? Mais tu en sauras plus en consultant ton Nookphone, oui. Il te suffit d'ouvrir l'appli Miles Nook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Et si j'adhère au programme, j'envoie les informations que tu m'as données aux opérateurs, comme ça je me fais de la thune. Ça ne pas, je dois remplir dans le lourd de tâches qui sont les miennes. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir un tuto pour faire des miles. Ouais, c'est possible. Oh, c'est marrant quand même, c'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez Nook Incorporation. Un nouveau pigeon chez Nook Incorporation. Ouais! C'est une nouvelle vie qui commence pour toi! Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent! Youpi! Caché par là! Ouais, à partir de maintenant, le temps qui s'écoulera sur elle à la même vitesse que dans le monde réel, ne touche pas au bouton pouvoir si tu vois l'indication sauvegarde en haut à droite. Quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer sur moins pour sauvegarder et quitter la partie. Par contre, Cimer, l'arbre. Oui, va voir vite que tu l'enlèves. T'as ton Nookphone qui. Ah, mais je voulais. Ah! Nintendo! Félicitations pour ton installation, nous espérons que tu apprécieras ta nouvelle vie sur cette île. Pour célébrer ton emménagement, voici un cadeau qui te sera vraiment utile. Quoi? Sincèrement, Nintendo! Ouais, je la garde quand même par... Un cadeau? Un cadeau! Des clochettes? Un cadeau! Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Bah non, pas des clochettes, hein, je sais pas. Un meuble, moi je pense quand même, c'est pour un choix. Nintendo Switch. Un établi de bricolage. Oh, t'en as un aussi? Quoi? Apprendre? Apprendre? C'est un plan de... Ah! Pour les premiers! On peut pas. On peut pas mémoriser. Ils ont offert quoi? Apprendre le bricolage. Bon, regarde mon téléphone. Pour créer ton propre établi. Ouais, c'est énorme. Ah, je sais quoi, il pêche. Alors, donc ça, c'est ça. Non. Dans ZL. Voilà. Alors, on va parler de Maïs. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner?
Ok, des miles obtenus, gagner des MOOC, en... voilà, donc ça, normal. Okay. En fait, les miles, nous, on a déjà testé, donc on sait ce que c'est. C'est des succès que vous avez, par exemple, en attrapant 10 arbres, enfin, en secouant 10 arbres, en coupant tant de bois, en récupérant tant de pommes, en pêchant tant de poissons, en attrapant tant de trucs, en dit, voilà, dit bonjour, ça se trouve, faut dire bonjour aux habitants. Alors, et voilà, okay. C'est ultra simple à voir. Là, juste avec les bienvenus, on en gagne 500, et on a gagné des titres, on s'appelle Chaland Tom Nook, voilà. Ok. Alors, en fait, on gagne aussi des titres. Donc là, pêcheur sachant pêcher. Et donc, il faut attraper 10 sûrement poissons. 10 poissons. Dis bonjour. Une fois. Voilà, une fois. Dis un bonjour à chacun tous les jours. Ok. Pas bébête. Donc là, dis attraper 10 insectes. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, flower power avec les fleurs. Il faut planter des fleurs. Corne d'abondance, commence le fruit. Ah, il faut vendre 20 fruits. Si tu vends des fruits spécifiques de l'île, 20 fruits. Fruits de mer, eh bien c'est les coquillages, ouais. Je pense. L'art de meubler, c'est faire des meubles. C'est ça. Il y a ma photo. Tu as pris la première photo de l'île, n'hésite pas à la mettre. Ah, yes. Ah, et on va faire ça. Passeport en ordre, c'était une instauration de passeport devait être modifié. Encourage la personnalisation en donnant les mailouks à ceux qui font l'effort. Ok. Ok. Avantage de l'affichage. Le premier message au panneau. Terre meuble. L'impératif de disposer. Changement de décor. Il suffit d'apprendre à utiliser l'appli. Motif perso. Ok. Donc là, il y a des trucs très simples. Vous voyez, il y a que ça pour l'instant. Il y a plein de trucs à débloquer. Et ce qui va se passer, c'est qu'au-dessus aussi, il y aura autre chose après. Et il y a tellement. Donc là, tu peux mettre ton passeport. Bah attends, déjà, je prends une photo. Ah oui. Ok. Génial la photo. Attends. Avec ta maison. Donc on peut mettre des cadres. Cinéma. Vas-y, mets cinéma. C'est magnifique. Vas-y, plus. Accentué, pop, adouci, intense. Ah, oh, c'est Nashville sur Instagram. Adden. On peut zoomer. Adden. Ah oui, ça reste, par contre, ça reste sur place. Ouais. Comment ? Ah oui, il faut que je déplace comme ça. Elle est bien celle-là, avec l'arbre et tout, c'est pas mal. Ça, c'est une belle photo Instagram. Attends, faut que je me mette bien. C'est bon, je suis au maximum ? Ouais. Ah, c'est flou. C'est flou ? En fait, ça fait le focus sur... Sur la tente. Sur la tente. Non, pas sur la tente, sur l'arbre. Attends, on va se mettre là-bas. Oh, un poisson. On va se mettre genre là. Là, regarde, comme ça. Si je reviens... Ah, il faut vraiment que je m'habitue par contre au truc. Hein. C'est normal, c'est le début. Donc là, je peux faire comme ça. Et je peux faire ZL. Donc on a plein noir et blanc, sépia, normal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. J'aime bien le pellicule, est sympa. Et du coup, on peut appuyer sur R pour qu'il nous regarde. Tu vois ? Soit il nous regarde, soit il nous regarde pas. Et du coup, on peut mettre aussi le L. Vas-y, photographier. Ah, elle est pas à l'heure, notre Twitch, en fait. Ouais, elle est pas à l'heure. Ah, c'est propre. Bien joué. C'est pas mal, hein. Elle est très belle. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, mets ZL. Du coup, ZL, on peut aller rechercher des nooks. Ah, mais oui. Mais non, on peut aller chercher des mine nooks, puisqu'on a réussi la photo. Ah, mais du coup, c'est pas à l'heure. C'est pas grave. Oui, oui, c'est pas très grave. Oui, on est à combien? Mais non, mais c'est que c'est pas le bonjour. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas grave. 300. Et du coup, on est photographe photogénique. On a gagné des titres pour le passeport. Et du coup, on va pouvoir rajouter dans le passeport. Mais ça va être trop facile de payer le premier, alors. Et passeport. Voilà. Ces informations peuvent être vues par les autres. Ok, donc faut faire attention. Ok, changer le titre. Ok, donc ce qui se passe, c'est modifier. Commentaire. Donc je vais mettre un commentaire. YouTubeur. Alors je vais mettre YouTubeur. Eh, un habitant YouTubeur. Eh, quand même. Oui, il n'y a pas la Wi-Fi. YouTuber. Vas-y. Et donc, modifier, titre. Je peux mettre, par exemple, c'est un lien originel, maman, papa, papy, demi-frère, photographe. Tu vois, vraiment, on a gagné photographe. Ah, photographe, villageois. Et je peux mettre photographe de poche. Ah, ou photographe crosseur, photographe photogénique. C'est bien ça. Photographe photogénique. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Ouais, c'est pas mal. Et donc, on a refait un autre succès, qui était de modifier le passeport, miles obtenu. Et ça donne la date. Ah oui, on est 19. Ouais. On n'est pas le bon jour. Ouais, on n'est pas le bon jour, mais c'est pas grave. Voyageur du futur. D'accord. D'accord. Donc je vais mettre photographe du futur. Du turfu. Du turfu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez marrant. Coup, ouais. Du coup, les 1000 premiers... Il y a aussi motifs personnalisés, ça faut en créer. Hein. Donc ouais. Là, c'est les motifs qu'on peut mettre où on veut. Donc ça, c'est pour les partager, etc. On ça. A de base. Ok. Oui, dessinez pas, par exemple, un zizi, quoi. Ça serait mal pris par Nintendo. C'est un peu ça l'idée. Donc on peut exposer. Sur un chevalet. Ah, donc mais on oui, peut mais pas la place. Donc on peut, par exemple... Par contre, tu peux changer le t-shirt si tu veux enlever ton ananas. Modifier. Je peux modifier. Et par c'est trop bien. Et du coup, je sais pas si c'est en tactile et je peux faire des...
Tu vois, voilà, comme ça. C'est magnifique. Tu viens de gâcher le tableau. Non, mais du coup, ce que je peux faire... Non, non, non. Jeter aux orties. Non, et du coup, je vais remettre. Et du coup, je peux faire peut-être une modification si je fais ça. Si je fais terminer. Ouais. Terminer. Ah mince, c'était blanc. Mais oui, c'était gris. Non, c'était gris. Non, c'était invisible alors. Ah bon? Bref. Bon, et bon. Donc, par exemple, celui-ci, je peux faire... Porter. Oh. Oh. En maquillage? Ouais. Waouh, wow, c'est très, trop moche. Très laid. Je sais pas ce que c'est. Oh là, c'était horrible. Mais par contre, on a modifié encore un autre truc. Donc on a encore un petit succès. Qui était plus loin. Là, ah, il y a le panneau d'affichage aussi. Là. Ça, on peut le faire. Changement de décor, vas-y. 500. Artiste ambitieux. Bien. Oui, c'est à peu près ça. Donc on progresse sur la petite route. Et il y a aussi la carte qu'on peut voir en c'est grand cette fois-ci. Pour savoir où sont les personnages. Donc voilà, Choco il est là, Mathilde est là, l'aéroport et le bureau des résidents. Il y a aussi service d'aide. Utilise ce service dans les situations d'urgence lorsque la voie est bloquée et que tu ne sais pas quoi faire. Tu seras généralement transporté chez toi ou au bureau des résidents. Tu dois disposer de... Ah, si ça bug. Non, si t'es trop loin, ça se trouve. Oui. C'est payant. Ah bon? Ah, ils ont dit qu'il faut avoir des miles. Tu veux pas changer de t-shirt? Mais non, mais tu dois l'avoir dans l'inventaire. Ah oui. Merci. Ouais, je préfère l'ananas que ce que t'avais avant. C'est pas terrible time. Et donc, ah, le panneau d'affichage. La résidente de l'île ainsi que le créer un message. Hello world. Oui, bah, mais juste hello. Hein. Hello. Hello, voilà. Hein? Mais oui, mais il parle tout le temps. Mais il parlait, c'était mignon. Oh! On peut mettre Termine. En couleur et tout, genre on peut faire waouh! Incroyable. T'es obligé de faire ça, mais c'est grave. Ça, tu peux le faire du coup en message. Au stylet, je crois. Ah oui, sur, directement ouais. Sur la Switch. Là, Miles a récupéré. Avantage d'affichage. Ragoteur. Influenceur. Ah, ah influenceur du futur. Influenceur. Attends, Eh, quand même. Eh ouais, les gens, on est où là? Youtubeur. Et modifier. Je peux modifier. Non. Ah là là là, ouais, il faut vraiment que je m'habitue. Hein. Titre. Titre. Je suis influenceur. Influenceur. Du futur. Ah c'est pas mal non, ça. Bah, ah, du coup, il y a ton signe astrologique. Ouais, je suis cancer. Ouais. Je suis le petit crabe. Voilà. Les gens, vous avez le seum, tous ceux qui sont pas crabes. Moi, je suis crabe. Ouais, moi, je suis scorpion. Du coup, je pense qu'il faut aller ah, au bureau des aller résidents. Là. Est-ce qu'on te crée maintenant? Ah, Guillaume, il veut pas me créer maintenant? Bah si, est-ce qu'on te crée maintenant tout de suite? Mais oui, on va me créer et puis... Je regarde juste ça, et comme ça, au moins, on aura découvert. Parce que là, les gens, ouais. C'est vraiment une grosse vidéo, c'est normal. C'est pas un jeu normal, c'est pas un jeu à histoire, c'est pas un let's play, y a pas des niveaux. Donc en fait, ça peut extrêmement varier la durée des vidéos. Voilà. La première, ça va être très long peut-être pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a eu 30 minutes de topo sur nous, on connaît un petit peu, il y a des ouais. Découvertes, mais bon, des choses un peu obligatoires à faire, et on n'a pas envie non plus de les bâcler, faire genre, hey, regardez les gens, paf, on se retrouve direct avancé, donc on préfère faire une grosse vidéo, faut nous dire ce que vous en pensez, mais on préfère prendre notre temps et bien découvrir le jeu, voilà. Et après, quitte à faire des vidéos de 20 minutes, avec, par exemple, on découvre les fossiles, on améliore l'aquarium, c'est on ça. A décoré un peu, mais au début, on est bien obligé, je pense et que puis, les premières vidéos, on est obligé. Faut savoir que donc la fin de vidéo, moi je vais créer mon perso, je vais juste ouais. Arriver sur l'île, planter ma voilà, tente, et ça. Puis on s'arrêtera là, et on commencera demain, donc rendez-vous demain pour jouer à deux, savoir comment ça se passe, et si Guillaume ne me pique pas trop de choses. Donc là il faut récupérer quelques pochettes, forcément, je propose un atelier de bricolage gratuit, donc ça c'est son atelier de bricolage gratuit, ouais. Et donc je peux en profiter. Donc là, ce qui se passe, c'est sauf que logiquement j'ai rien, par contre on peut aller voir la Nook. Comment as-tu oublié? Il ouais. Faut bien entendu parler que je te parle ça, c'est un peu super de ce important, terminal. Les gens. C'est le truc le plus important du jeu. Je te le présente, le Nook Stop. Il te fournira de nombreux services qui te faciliteront la vie sur l'île. Il propose pour le moment deux services, Guillaume. D'abord, Nook Shopping, un service de commande d'objets pour vents s'avérer difficile à dénicher. Ensuite, il fait office de distributeur automatique de clochettes ou DAC pour la banque Nook. Donc il y a tout dedans, en fait. En ouais, fait, il y a ça. Tout dedans. Et nous... Ah, nous envisageons également d'y ajouter un service d'échange de Mail Nook. À l'avenir. Il faut avancer dans le jeu. Ouais. J'espère que tu pourras profiter de ces fonctionnalités. Donc là, normalement... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les idées si tous les jours, ah oui, vous si gagnez tu... 50. 50. Voilà, c'est toujours bien. Quel service souhaites-tu utiliser? Donc alors, on a le Nook Shopping, le DAC, et pour l'instant, on n'a rien d'autre. C'est-à-dire ouais. Qu'on n'a pas utilisé les miles. Non. Ça on utilisera les miles. Il faut que tu arrives à 5000 pour oui, rembourser ton oui, c'est possible, et après j'aurai l'autre ouais, truc. Ce qui se passe, bah là on peut voir déjà ça c'est important, on l'a déjà montré je crois. Tu vois que j'ai découvert mon établi de bricolage. Voilà, je vais expliquer que là-dessus on va pouvoir fabriquer les bah, propres outils. Tout ce qu'on a besoin. Et les plans de... Ah si, les plans aussi. Oui, les plans. Ah
Il faut s'inscrire pour la prochaine séance. Vas-y. Ah, il faut faire un tuto alors. Voilà une réponse pour de vrai insulaire, j'ai justement un peu de temps, alors allons-y. D'accord, ok, donc il y a encore un tuto, hein. Ouais. Encore un tuto, donc c'est pour ça qu'on préfère tout faire maintenant, mais ouais, on sera tranquille. Tous les tutos sont faits. Prochaine vidéo, on sera tranquille, on ira farmer, on ira découvrir l'île, voilà, crafter voilà. Des trucs et tout. Et avoir de l'argent. Et avoir de l'argent. Pour rembourser nos petites tentes. Alors, bienvenue dans l'atelier bricolage, enfin atelier est un bien grand mot, j'espère qu'il ne t'intimide pas. Mais de toute façon, toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage. Oui, en trois mots, il faut rassembler les matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci. Il faut fabriquer une canne à pêche à l'aide de matériaux. Ah, on commence par une canne à pêche. Ok. Ah, j'aurais pensé hache ou la... Ouais. Canne à pêche, pourquoi pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je... Ah, il faut que je les... Bah oui. Ça, il faut... Là, pour l'instant, je veux pas aller dessus, il faut forcément que j'aille chercher. Je croyais qu'on pouvait voir le plan. Bah non. 5 branches. Donc on va pouvoir créer une canne à pêche. Oui. Bah c'est marrant, on crée la canne à pêche en premier. Mais déjà les mails ça me subjugue moi quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir farmer de ouf. Hein. Ouais, je pense aussi. Donc c'est bien parce qu'on sera moins limité dans le temps. Pardon. Non. Y, c'est ça. Hein. Oui, Y, toujours Y. La couleur est très très jolie là. Hein. Ouais. Le... Bah le... Du coup c'est comment ils appellent ça, le... Ah. Oh ah, non, on prend une clochette. Oh là là, on est riche. Oh. Ah non, c'était quoi cette grosse feuille de la mort là? Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a une grosse... Ah bah bravo. Ah mais, oui, mais attends, mais je peux... On va planter des fleurs. Ah oui, tu peux planter, ouais. Mais ramasse les... Attends, mais c'est des fleurs ou des mauvaises herbes? Des fleurs? Non, c'est des mauvaises herbes. Tu penses? Bah oui. Autant de... Mais non, parce que tu les mets en poche. Et on peut les replanter, les mauvaises herbes? Bah regarde. Attends. Mauvaises herbes. Oh, c'est trop bien. Mais il faut pas replanter les mauvaises herbes. Ah mais du coup, on peut les stocker. Mais attends, mais t'en as plein. C'est quoi cette île remplie de mauvaises herbes, là? Ah c'est trop bien, on peut stocker des herbes. Ah tu peux les vendre, du coup on peut les vendre. Tu penses? Je sais pas. J'en prends un peu plus, je sais que j'en ai déjà assez, mais c'est comme ça moi je suis large. Est-ce qu'il y a un meuble direct, tu penses? Je sais pas. Tu vois, il y a une grosse feuille du coup qui sort, je croyais que c'était... Oh, oh le meuble! Service des tables. Trop bien. Ah, fallait secouer des arbres. Ah peut-être. Non. Ah oui, mobilier perché. Ah, le mobilier. C'est le succès, pouvoir dans les arbres, c'est ça. Ouais. Être insouciant. D'accord. Et là, on a gagné 300. On est déjà à 2000 miles. Hein. Bah ouais. Donc, prochaine vidéo, on a grandi la maison. On va acheter un billet d'avion gratuit. Ah, qui me capable. Est-ce que tu penses qu'il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Je sais pas. Ce serait abusé, hein. De toute façon, on découvre un petit à petit. Oh, oh non. Oh non, tu vas être moche. Ah. T'es mort. Oh, je me suis fait avoir. Juste avant. Et c'est la première fois. De toute façon, on est obligé, c'est classique ça. Oh, ça va. Ça va, ouais, ça va. C'est plus propre qu'avant. Donc, c'est moins dérangeant. Et vas-y. On va en profiter. Moi, je regarde juste. Va construire ta canne à pêche. Oui, non, mais Guillaume, il joue tout seul. Non, mais oh, moi aussi, je pourrais jouer. Vas-y, je... Ah oui, bah oui, tu vas pouvoir m'aider à secouer les arbres. Bah oui. Oui, on fera ça demain. Voilà. Ça demain. Bah, on va peut-être faire nous de notre côté un petit peu le jour même pour aller essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Et du coup, vous aurez une vidéo demain où ça sera le jour d'après. Voilà, on va attendre par contre. Entre chaque vidéo, il y aura au moins un jour à chaque fois. Je sais pas ce qu'elle a fait notre Twitch, mais elle a absolument pas l'heure. Elle a quelle heure en fait? Il est 17h52 sur le jeu, alors que nous, il est 17h32. Ah oui, ouais. Ah oui, 20 minutes. Oui, comment ça à limite une heure de décalage. Ouais, mais... Alors Guillaume, tu as trouvé le matériel nécessaire, la bonne heure, retroussons-nous et fabriquons la canne à pêche. Et donc là, voilà, forcément, en fait, c'est vachement bien. C'est, en fait, on a des projets, voilà. Ouais. Et ça nous dit qu'on a assez de matériaux dans les poches. C'est Minecraft, tout simplement, les gens. C'est pas du plagiat, c'est Minecraft. Voilà, ouais. C'est on craft des objets en ayant tant de branches. On passe sur l'établi comme dans Minecraft et ça fait automatiquement une fois que t'as les trucs en poche, t'as juste à cliquer sur un bouton. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait la mise à jour Pocket Camp, la canne à pêche que tu as là, c'est la même qu'on te donne en tournoi pour le tournoi avec Tom Nook. Ah ouais. Ouais. Et donc, comme tu le vois, le bricolage n'a rien de sorcier, il suffit de disposer d'éléments adéquats. En fait, il y a juste à avoir le. C'est gratuit, il y a juste à avoir les objets. C'est tout. Ouais. Et le plan. Et le plan. Donc là, ce qui se passe, c'est les envoyer sur mon téléphone. Téléphone. Puis je te demandais de le sortir. Ça part infrarouge? Ouais, c'est Bluetooth. Tu vois, c'est Bluetooth. Ah, plan, et on va pouvoir utiliser notre plan. Ah, bah oui. Mais du coup, c'était quoi le plan? Parfait, merci. J'ai installé l'appli de bricolage sur ton téléphone. Tu l'auras toujours à la portée de patte. Portée de patte. Bah oui, mais parce que lui, il a des pattes. C'est pour ça que c'est pas très rare, je pense, de pas avoir toujours tout de suite l'événement lapin, là, avec... Oui, parce qu'en fait, finalement, on est au début du jeu, donc... Allez, ta toile n'y aura pas éternellement. Ah oui.
tout se détruit. Donc c'est ça qui est cool. Dans le jeu, on va être obligé toujours de peut-être d'améliorer. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais parlons un peu pêche. Je ne suis pas un expert, mais je peux peut-être te prodiguer des conseils. Ainsi, je te suggère de viser juste en dessous de la silhouette d'un poisson. Voilà. Donc là, c'est comment pêcher. Je veux dire comment pêcher. Qui n'a pas joué Animal Crossing? Voilà. Hein? Si il y en a qui ne savent pas. Est-ce que je peux lui vendre? Bonjour, bonjour. Encore plus cher que Steve. Non, c'est pas lui, ça va être Millie Milo. Ah oui, c'est Millie Milo. Mais pas tout de suite. Ils ont pas leur boutique. Ok. Bah si, je pense. Il m'y a dit que je pouvais vendre, je crois. Ah bon? Bienvenue, oui, oui. Tu perds pas de temps. On est encore en train de s'installer, mais on a quand même quelques articles pour nos résidents. Attends, quand on a pas beaucoup de place, on va essayer de renouveler le fleur tous les jours. Tu vas être très occupé, mais jette quand même... Ah, tu vois? Ah oui. Je vais jeter un oeil. Ah, ah ils vendent des trucs. Formidable. Un jerrycan et un sac de couchage. Waouh. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Non, pas vraiment. On achète aussi un peu de tout, voilà. Et puisque nous voulons que cet endroit reste un lieu à vivre agréable, on te donnera même quelques clochettes si tu ramasses les mauvaises herbes et les détritus. Si tu veux savoir quel article on rachète, il se suffit de demander. Ok. Donc là, vas-y. Non, achète-moi les trucs. Ils ont mis en premier, achète-moi les trucs. Ouais. Donc les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes et c'est tout. Mais t'as rien à cliquer? Ah si. Les mauvaises herbes. Alors, je te rachète ça pour 170 clochettes. 10 clochettes, la mauvaise herbe. C'est pas mal. C'est trop bien. Donc, il te pousse à aller déraciner les mauvaises herbes. Ah, c'est trop bien. Cool. Bah, ça, on ira faire ça tous les deux. Ah, t'as eu un nookfun. Oui, on ira faire ça tous les deux. Ouais, on ira faire ça tous les deux. Hors vidéo, parce que ramasser les mauvaises herbes, les gens. Je sais pas si ça vous intéresse à 100%, mais voilà. Il y a quelques trucs quand même qu'on va jouer hors vidéo. Ah, nouveau! C'est pour ça, on doit faire du bricolage. Créer. On doit faire du bricolage. Donc, pour les outils. Voilà, on va fabriquer un sur 5. Donc, et là, 3 sur 10, c'est les plans qu'on doit collectionner. Ah, oui. On a 3 plans et donc il en faut collectionner 10. On a aussi les mauvaises herbes. Ah, du mauvaises herbes. Donc, 17 sur 50. Ah, ça a sauvegardé, ça a enregistré ce que j'ai déjà enlevé. Ben oui, mais c'est normal. Non, puisque ça a débloqué le défi après. Ah oui. Donc, c'est cool. Ah oui. C'est cool, c'est cool. Là. Ah, mission récupérer seconde main. Ah oui, vendre ce que tu n'as pas besoin. Donc là, 300. Donc on va finalement vite rembourser. Peut-être que demain, la vidéo de demain, oui. On remboursera. On remboursera de toute façon, par contre, tous les événements importants, ça sera forcément en vidéo. Et du coup, là, la création, si tu... Ah, on peut faire un super feu de camp et on peut faire aussi un canne à pêche. Et donc, avec le cadeau que t'as eu. Vas-y, mets le cadeau que t'as eu. Oui, oui, on découvre. Apprendre. Ah, d'accord. Ah super, tu sais, ça à présent... Ça présente fabriquer un établi de bricolage simple. Et du coup, faut faire quoi? Il faut que j'aille là. Il faut aller dans création. Et j'en ai appris un autre. Ah oui, oh, c'est ce que tu mets dehors, c'est trop bien. Oh, pépite de fer. Oui, mais il faut juste une pelle, je crois, pour casser. Ah les... oui, d'accord. Donc, et là, du coup, on va me créer. Oui, on va créer Kim. Et puis, on ira pêcher, nous, tous les deux. Voilà. Un petit peu, on va juste tester pour voir si on peut se connecter ensemble. Et demain, ça sera la première vidéo, on jouera officiellement à deux. Et ça sera comme ça tout le temps. Donc là, si je appuie sur moins et que je fais une pause, sauvegarder, arrêter. Les gens, c'est très très cool, franchement. Ah, c'est assez incroyable. Donc on va créer Kim et on se retrouve tout de suite dès que Kim est créé. Appelez un habitant. Parfait, le téléchargement est terminé. Il s'agit de l'appli Appeler un habitant. Donc elle se crée uniquement si vous créez un autre habitant. Voilà. Sinon, je pense que vous n'aurez pas le tuto et tout. Tu peux l'utiliser pour contacter d'autres habitants sur l'île afin que vous puissiez jouer ensemble. Tu auras aussi de plus amples informations lorsque tu lanceras l'appli pour jouer à plusieurs. N'hésite pas à l'utiliser au calme. Bah, c'est ce qu'on veut faire. On veut utiliser les gens là. Par contre, cimer l'arbre, hein, faut vraiment. Oui, c'est le fil rouge de la vidéo. Quand est-ce qu'on va pouvoir couper l'arbre? C'est ça. Ah non, mais je suis bourré. Oui. Il faut s'habituer aux commandes. Ouais. Alors, appeler un habitant. Donc, jouer à l'île en groupe avec toi, chaque d'une planète. D'une manette, c'est bon, j'ai une manette. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec les Joy-Con ou pas? Confirmé. Ah, on peut jouer avec les manettes pro. On peut jouer avec les manettes pro. Hein. On peut jouer avec les manettes pro, je pense. J'espère. J'espère aussi. Les gens, ça y est. Au premier jour heure, sur l'île. 1h15 de jeu. Ah, on peut jouer avec les manettes pro. On peut jouer avec les manettes pro, ça c'est vraiment bien. Du coup, c'est vraiment bien. Ouais. Bon, on est trop beau. Ah, ta chemise est mieux que la mienne. Ouais. Elle est vraiment dégueulasse. Alors, jouer en groupe, les joueurs résidents peuvent jouer ensemble au mode. Donc, un joueur a le rôle de leader, mais donc, ce qui se passe, c'est que Kim aussi va avancer sa partie pendant qu'on joue ensemble. Voilà. Parce qu'elle va être aussi leader si elle a besoin pour faire ses propres quêtes. Voilà. Il y a vraiment peut-être un truc à faire. Ce que peut faire le leader, donc voilà. Échanger le leader. Donc, vous allez voir, c'est simple.
Commande leader. Voilà, alors ce qui ah, se passe. Ah, c'est moi. Donc moi je peux avoir tout ça, toi tu peux pas y aller. Moi je peux pas aller dans mon inventaire. Par contre, tu peux secouer les arbres. Et ce qui se passe, c'était quoi déjà? C'est le bouton, c'est. Je me rappelle plus. C'était secouer. Voilà. Voilà, je secoue la manette et Kim elle appuie sur changer si elle a besoin. Appuie sur A. Voilà. Et tu prends le rôle et du coup là, c'est bon, Kim. Oh! T'as piqué mes clochettes! J'ai piqué ta tête! Donc là c'est la tente de Kim. La maison de Kim. La maison de Kim. Et là-bas c'est ma maison. Donc moi j'ai l'arbre qu'il faut couper. Vas-y, vas-y, on va secouer les arbres. Ah, on peut jouer à deux, c'est trop c'est bien. C'est trop bien. Ah, c'est, ouais. Ça va être cool, même si c'est un peu limité, franchement, pour par principe, comme on a dit. Non! Donc Guillaume ne peut rien ramasser. Ah si, si t'es meilleur ami. Non. Non, non. Je peux juste modifier si je suis meilleur ami. Ah oui. Moi, je peux juste secouer. Mettre... Non, non! Du coup, ça va sur qui? Non! Non! Okay, non! J'ai tu essayes d'éviter. Eh d'ailleurs, on n'est pas allé là, j'avoue. Non, bah tu vois, c'était le destin. Coucou Dodo. Ouais, bah, bon, on verra plus tard. Dodo Airlines. Attends, il y avait un mini Tanuki, c'était trop bizarre. Alors bon, là, c'est cool. Franchement, va, les gens, ça fait plaisir. Je pense qu'on va jouer un peu à deux avant parce que attendre demain, ça va être trop long. Ouais. On va peut-être jouer un peu avant. On va essayer d'avancer, faire des trucs assez basiques. Après, on peut déjà peut-être pêcher, juste pêcher vite fait. Notre première pêche. Ouais, parce mais qu'on vient d'avoir pas, la. Je peux pas. Vas-y, appuie sur secoue ta manette. Donc ça reconnaît bien. Ouais, ça c'est pas c'est mal. Bien. On va essayer de voir. Évite de courir, évite de courir, allez, tu vas faire des poissons. Bah tu cours aussi. Hein. Non, je cours pas. Appuie sur A. Attends, il faut qu'on ait testé. Il faut qu'on ait testé au poisson. C'est compliqué. C'est compliqué ouais, ouais. Parce que je peux pas équiper, je peux pas changer d'outil. Attends, comment j'ai pas pu changer d'outil? Ah ouais, comme on peut pas accéder à l'inventaire. Oh, c'est bah trop oui. Chiant. Attends, attends. On va trouver un poisson. C'est pas vrai, il y a plus de poisson au moment où on veut pêcher. Là, il ah. Y a un petit poisson. Ah, une bouteille. Vas-y, à toi. Le premier qui l'a gagné. Oh. Mais t'es trop nul. J'ai cliqué trop vite. Ah, c'est là le truc qu'on voit à chaque fois une belle crossing. Mais est-ce mais que vous pouvez avoir poisson. Un poisson, s'il vous plaît? C'est joli l'eau. Hein. Ouais. C'est méga joli. Hein. Par ouais, contre, mais y'a du pas coup, de poisson. Ah, là-bas, y'en a un énorme. Ah, là, y'en a un. Là, y'en a. Vas-y. Bah, je vais en pêcher un. Hein. On en trouve vas-y. Un autre, tu pêches aussi. Premier poisson. Premier poisson. C'est un brochet. C'est un... Non. C'est un... Brochet. Non, une loge d'étang. Ouais. Tu savais que les loges d'étang... Oh, là, mon... C'est l'humour Animal Crossing. Est-ce qu'on peut en trouver un autre et voir si toi ça marche? Et est-ce que du coup ça le... Ah, là, il y en a. Est-ce que ça le met dans ton inventaire? Et ça serait vraiment très cool. Ça, ce serait vraiment cool, ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait capturer tous les insectes et tout. Mais... Oh, mais pourquoi j'ai appuyé? Mais non, t'es mais trop nul. Nul. Mais tu joues pas sur ma partie, ouais. Tu vas faire... Je vais faire un poisson. Là, là, attends, il y en a un petit. Et donc pendant ce temps-là, vous voyez qui me pêche. Et moi, je récupère... Oui, mais je vois plus rien. Doucement, c'est facile. Oui. Ah, j'ai un crap... Une bouvière. Ah, oh, mais je parle juste. Oh attends. Il a disparu. Attends, 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 attends. Il a disparu, il a fait pouf. Du coup, on s'est renseigné pourquoi le oui. Poisson disparaît. On a trouvé pourquoi en fait, il disparaissait. Parce qu'en fait, on n'a pas eu la règle. En fait, il va... Guillaume, il allait beaucoup trop vite. Il va à l'objet... le bureau du résident. En fait, à la boîte de recyclage. Donc en fait, là, si je pêche, vous allez voir ce qui va se passer. Ouais, mais t'es le... T'es leader. Ouais, mais je pêche quand même. Okay, donc là, si je pêche... Vas-y, pêche. Je pêche un poisson. C'est juste pour voir ce que ça va être en plus. Il ouais. La première du jeu. Bien. Une boîte vide. Donc, je peux pas acheter n'importe où. Et donc, ce qui se passe, c'est... J'ai un plan. Oh. Oh, oh le c'est DIY Oxenging. C'est trop laid, ouais. Mais c'est pour être dehors aussi. Ah, c'est marrant. Ah, c'est ah marrant. Avec les mauvaises herbes. Avec mais les la mauvaises herbes, vide. Ouais, c'est ça. Bon, on y a rentré, c'est ça. Ah, on a des Mylnooks aussi. Oh là là, bah, on a pêché les gens. Oh, là, bah là, oui, là. On a, en fait, on ah, a non, en nouveaux... vidéo le temps, ah, de trouver, le temps de trouver ce qu'on voulait. Bah oui, parce qu'en fait, on cherche du poisson et tout. Utilisateur de Newfound, d'accord. Donc bon, je pense on verra prochaine ça. Vidéo, ouais. On aura assez de on aura bien avancé, etc. Et donc vas-y, secoue ta manette. Non, si toi tu pêches. Ah, je croyais que ça allait dans ma boîte à moi. Donc là, j'ai un bar. Encore un bar. Qui fait et pouf. Donc là, il fait pouf, pourquoi?
Parce qu'en fait, fait pas pouf pour le aller bar, si tout s'est bien passé, donc il y en a d'autres poissons, on a testé. Oui. On n'a rien compris. Après, c'est pas mal. Oui, au moins, enfin, au moins tu sers à quelque chose en deuxième genre. Au moins, on perd pas le poisson. On a eu peur. Ouais, au moins, tu peux pêcher. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai le bar de Kim. Parce qu'en fait, c'était moi le maître. Et elle a pêché. Et c'était moi le leader. Donc, c'est surtout dans le cas où vous allez jouer avec des gens, je pense, que vous connaissez pas ou qui sont juste des amis. Oui. En ligne. Ouais. C'est-à-dire pour que si eux ils travaillent, ils vont donner à toi. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, il me semble, c'est que si Kim devient leader, ça ira dans le sien. Sauf que le sien, je sais pas si tu as accès ici, on va vérifier. Bah, je sais pas. Donc, vas-y, je secoue. Je change. Et je vais pêcher. Ouais. Allez. Ouais, je vais pêcher. Tu vois que moi, avec la chance que j'ai, je vais avoir un super truc de la mort. Oui, mais tu vas un me donner. Un vilano. Oui, super. Non. C'est une boîte, sinon je t'enverrai. Non, c'est boîte. Un cardo. J'ai mis sur un cardo. Ok. Je vais pas pêcher. Hein. Non, c'est normal, t'es passé sur le côté. Ah, c'est bon. Cardo. Cardo. Tu vois. Ah, il demande. Ouais, c'est pareil. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle fait pouf, parce qu'en fait, c'est Kim qui la récupère. Donc, est-ce que... qu'elle est maître de la partie à ce moment-là. Ouais, mais est-ce que ça va dans ton truc ou dans mon truc? Bah, donc, ça se trouve, ça va carrément sur ton île, et du coup, au moment où toi, tu lances la game. Donc, ça se trouve, tu ne l'auras pas là. Si tu l'as là, ça peut être bien. Si je l'ai là, c'est à toi. Non. Non, non, si c'est là, c'est pas à moi. Non, regarde. J'ai failli oublier de parler de cette boîte. Il s'agit d'une boîte de recyclage dont tous les résidents de l'île sont invités à faire usage. On y entrepose ce dont on ne se sert plus, ou des objets, enfin des éléments qu'on doit retirer durant un chantier. Si tu utilises l'appli pour appeler un autre résident, ce que ce dernier déterre ou attrape s'y trouvera aussi. Alors si tu aperçois quelque chose qui te fait envie, sers-toi sans faire de chichi. Mais ne traîne pas, les objets les plus anciens passent à la trappe dès que la boîte est pleine. Ah non. Ah c'est pour tout le monde. Ah c'est la boîte de tout le monde. C'est la boîte de tout le monde. Ah donc, en fait, c'est bien. Ah on peut s'échanger. Donc en fait ce que tu passes, bah là par exemple le bar, tu peux prendre le bar parce que c'est toi qui l'as pêché. Récupérer. Et en fait, on se sépare le butin après. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que Kim m'aura pas mal aidé, oui. Bah, en fait, comme je sais que c'est quelqu'un de confiance, elle t'ira à la boîte avant de déconnecter ta partie et tu récupéreras tout ce que t'as eu. Voilà. En fait, ça va pas dans ton inventaire. Bon, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est une précaution. Pour éviter de se faire piquer des choses. Petite découverte, enfin grosse découverte, on espère que ça vous a fait plaisir. Nous, on va continuer à jouer tranquillement dans notre coin, un petit peu pour demain. Pour avoir des clochettes, pour avoir sûrement l'épuisette, pour aller avoir quelques insectes. C'est ça. Et avancer un petit peu. Vous inquiétez pas, on remboursera qu'en vidéo. On améliorera la ville qu'en vidéo. Enfin, les trucs importants, on les fera en vidéo. Voilà. C'est ça. Donc, on espère que ça vous a plu. Pas hésiter à nous dire votre ressenti. On espère que vous éclatez bien sur le jeu. Nous dire si ça vous a plu, en général, la vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite d'Animal Crossing New Horizons. Allez, salut!